Préparons un affogato. En italien, affogato signifie noyer, parce que vous noyez la glace dans l'expresso. Allons-y. Je commence par mettre de la glace vanille dans un verre. La recette dit 1 à 2 cuillères, mais je ne résiste pas, j'en mets 2. Commencez par purger votre groupe chauffant et par préchauffer votre porte-filtre. Retirez-le, puis séchez-le avant de moudre. Ensuite, broyez vos grains fraîchement torréfiés. Tapotez le porte-filtre comme ceci pour répartir la mouture de façon uniforme avant de la tasser sur une surface plane. Il faut surtout que la pression soit constante à chaque fois et vérifiez visuellement que votre tassage est à niveau. Utilisez l'outil The Razor après le tassage pour vous assurer que la dose de café est correcte. Il permet de contrôler précisément la hauteur du café moulu, une variable essentielle. Mettez le porte-filtre dans le groupe chauffant. J'extrais un double expresso dans un petit pichet. Mais n'hésitez pas à utiliser un verre ou une tasse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'expresso qui s'écoule ressemble à du miel chaud. Versez l'expresso chaud sur la crème glacée et laissez la magie opérer. Un vrai délice.